Le gouvernement a dit qu'il a initié une politique nationale salariale équitable. C'est une bonne chose, puisque le gouvernement disait qu'il faut mettre fin aux disparités salariales. Mais nous, nous disons qu'il ne faut pas, comme on dit, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas freiner au niveau de l'augmentation salariale une catégorie de travailleurs pour peut-être faire monter une autre catégorie de travailleurs. En fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, une partie des travailleurs, notamment dans les administrations personnalisées et dans les sociétés parapubliques, ont vu les indemnités, primes conjoncturelles gelées pendant 4 ans. Nous, on a été associés aux étapes importantes de cette politique nationale salariale équitable. La politique salariale équitable, selon le gouvernement, ça concerne les fonctionnaires régis par le statut général et les administrations personnalisées qui bénéficient des subsides de l'État, qui viennent du budget général de l'État. C'est là où il y a un peu de complications. Ça, selon le gouvernement, ça les concerne. Mais nous, au niveau des travailleurs, nous disons qu'on fait en deux étapes. Première étape, que cette politique concerne les fonctionnaires qui évoluent sous le statut général des fonctionnaires. Et puis, deuxième étape, avec des négociations, que cette politique puisse s'étendre progressivement aux travailleurs régis par le Code du travail qui sont dans ces administrations personnalisées, qui bénéficient des subsides de l'État. Puisque ça fait 4 ans qu'ils ont été bloqués. D'accord ? Il y a des accords dedans. Par exemple, à l'Université du Burundi, il y a une sentence arbitrale, par exemple, que même on est en train d'appliquer. Donc, et puis, la nature aussi du travail, puisque pour coter ces emplois qui sont dans les administrations personnalisées, je pense qu'il faut de la patience et du temps. C'est une question assez délicate qu'il faut analyser, qu'il faut négocier pour que progressivement, on les insère dans cette politique salariale équitable. Deuxième chose, les négociations ne sont pas terminées. Les négociations ne sont pas terminées puisque le document final n'est pas là, le document final qui ira au Conseil des ministres pour une décision finale. Le gouvernement nous demande effectivement, à partir de janvier 2020, pour les fonctionnaires sous statut, donc qui évolue sur le statut général des fonctionnaires, qu'est-ce qui est dans cette politique puisse s'appliquer sur... Il y aura même à régime, ce qui aurait remplacé ce qu'on appelle annale, prime et indemnité conjoncturelle pour ce qui évolue sur le statut général des fonctionnaires. Les administrations personnalisées qui sont sur le régime du Code du travail, qui, selon le gouvernement, devraient être concernées par cette politique, nous demandons en premier lieu que cette politique ne les concerne pas, le travail des administrations personnalisées. Que dès le 1er janvier, ils puissent avoir les annales, ils puissent avoir d'autres primes qui sont dans les contrats de travail, ou qui sont dans des conventions qu'ils ont négociées avec l'employeur. Et puis nous allons même plus loin, nous demandons un rappel donc des primes et des annales.